C'est dans la poche, comme on dit, dans la boîte. Allez. Oh, c'est un joli combat, ça. Franchement, les gars, GG à lui. Artifloss. Oh là là, les gars, mais... Oh, j'ai combien de bottes en diamant? C'est une vraie question, les amis, que je vous pose. Combien j'ai de bottes en diamant? C'est scandaleux. J'en ai combien? Mais mec, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai... Mais c'est... J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... J'ai 10 bottes en diamant. J'ai 10 bottes en diamant dans mon inventaire, les amis. C'est n'importe quoi. Yo tout le monde, c'est la production, j'espère que vous allez bien, ça va super, on se retrouve pour une vidéo pour un nouveau Hunger Games sur Minecraft. Et les amis, je suis donc tout seul pour cette vidéo, voilà, je me suis dit, allez, on va faire un petit Hunger Games tout seul, en solo, ça fait pas de mal. La dernière fois, on avait fait un Hunger Games avec Dutch, c'était super sympa, vous avez adoré, merci à tous pour vos retours. J'ai été vraiment choqué, je vous le dis vraiment, hein, voilà, vous êtes mes abonnés, on est entre nous, je vous le dis, j'ai vraiment été surpris. Ça vous a vraiment beaucoup plu, donc merci, merci, merci du fond du cœur. Je suis vraiment chaud pour en refaire toutes les semaines des Hunger Games si vous voulez. Moi je suis prêt à donner cet effort là. Mais en échange les amis, donnez-moi un maximum de petits pouces bleus s'il vous plaît. Allez-y, ça coûte vraiment rien les amis, franchement. Un petit pouce bleu ça coûte quoi? Allez, une minute, même pas deux secondes de votre temps franchement. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Alors je sais aussi dans les commentaires il y en a plein qui me disent: oui mais Laser, tu oublies du stuff dans les coffres qui est meilleur que celui que t'as déjà. Alors les amis, vraiment il faut savoir que moi je joue très rapide. Et des fois j'ai pas le temps de voir effectivement les coffres, donc c'est vrai que c'est assez dérangeant, j'avoue. C'est vrai que ça doit vraiment foutre la rage de regarder quelqu'un jouer et tu vois qu'il oublie un plastron en diamant, j'avoue ça doit être vraiment chiant. Mais voilà, vraiment les gars, des fois je fais pas exprès, donc je suis désolé si vous voyez que dans cette vidéo j'oublie des trucs genre des trucs en fer alors que j'avais du maille, etc. Enfin vraiment je suis désolé, mais j'essaie de faire mon maximum pour... Ok, il y a un mec juste en bas, je l'ai vu avec son gamer tag, on va essayer d'aller le choper les gars dans la... Dans la caverne là, regardez, il est où? Il est juste en bas, c'est ça? Ouh les gars, est-ce qu'on fait le ninja ou pas là? Est-ce qu'on fait le ninja? Allez, on y va, c'est parti, faut prendre des risques dans la vie. Salut mec, comment ça va? Oula, d'accord, oui, ok, il est chaud, enfin il est chaud, ça va, il est juste un peu malin. Il a vu qu'il y avait de l'eau, du coup il me pousse dedans, c'est pas con de sa part. Allez, est-ce que tu pourrais décéder s'il te plaît un maximum? Voilà, ah ok, il se barre dans l'eau. Dommage mec, je vais vite dans l'eau, je suis un poisson. Je suis un poisson de Minecraft, regarde-moi ça. Attendez, on va monter sur un nénuphar, tac. Tac, et là, hop, on l'achève. Voilà, parfait, nickel. On prend sa petite tombe. Alors, il avait quoi? Des bottes en fer. Un casque en fer. Ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Bah, parfait, on va prendre la nourriture, nickel. Et on va essayer, du coup, de sortir de ce... De cette fameuse faille là, parce que je vous avoue que là, en fait, ici, c'est... Bah, c'est nul, en fait. Il n'y a rien à faire. Je sais qu'il y a souvent des vaches. Alors, je vais vous montrer où. Comme ça, si vous voulez, vous aussi, avoir des vaches, bah, je vous montre où est-ce que c'est. Ah, ok, les gars. Déjà, là-bas, il y a un mec. Ok. Déjà, là, il y a... Mais pourquoi ils sont deux? Eh, les gars, on est en solo là. C'est interdit, les gars, de faire des teams. Pourquoi les mecs qui font des teams en solo? C'est quoi ce bordel? Attendez, wesh. Pourquoi les mecs font des teams en solo? C'est n'importe quoi. Ok, ils ont l'air vraiment mauvais. Hein. Ils ont l'air vraiment mauvais. Donc, on va essayer, les gars, de se faire les deux. Oh là là, les gars, comment je suis chaud! Oh, je suis trop chaud! Oh oui, je suis trop chaud! Incroyable! Ok, les gars, c'est cool. On a réussi à se faire les deux en même temps. Parfait. Ils étaient full diams, épais en diamant et tout. Ok, donc ça c'est cool. On va se prendre le stuff. Tac, tac. Donc là je vais pas me tromper, je vais bien m'équiper un max. Ça je peux pas équiper, j'ai déjà. Et on va se prendre ça, tac. Ça on veut pas, on va se mettre l'arc au bon endroit. Voilà, et on va se mettre l'étoile d'araignée au bout de l'inventaire. Ok les gars, c'est parti, on y va. Let's go, alors on est 3. Donc il y a un mec qui est pas mal full diams. Ok ouais, ça campe hein. Ok, y a un mec qui a une pomme d'or. Vas-y, 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 rush l'autre mec, voilà, allez-y, battez-vous. Et nous, on va venir un petit peu en ramasse-miettes derrière. Alors attention les gars, il a une pomme d'or, attention il a une pomme d'or. Ok, il a 10 cœurs, il a 10 cœurs, ok, non, il me bloque, il me bloque, il me bloque, attention. On va essayer de faire pareil avec lui, hop, ok, j'ai pas réussi, c'est pas grave les gars, c'est pas grave, on y va, let's go. Épée en diamant les amis, oh il fuit, ok, est-ce qu'il fuit ou est-ce qu'il a juste plus de vie ou est-ce qu'il fait genre... Je sais pas, pourtant il y a une pomme d'or. Oh bah les gars c'est gagné! Les amis, victoire royale, top 1 comme on dit sur Fortnite. Top 1, 4 kills les amis, incroyable, première place, ça y est. On va directement, bah, en relancer une, écoutez, hein, on va pas non plus s'arrêter là. On va en profiter, que je sois plutôt bon aujourd'hui, c'est cool, je suis content. Fallen Kingdom, tiens, la fameuse map où on n'avait pas réussi à gagner avec Dutch la dernière fois. On va essayer du coup de lui faire honneur au petit Dutch, on va essayer de gagner en solo. C'est parti, ok, il y a pas mal de gens Kevin, hein. C'est abusé n'empêche, hein. Il y a beaucoup de gens Kevin, c'est parti, on y va. Ah, j'ai eu un petit bug de sprint, c'est pas grave. On va prendre ce coffre là, ok, du poulet. Ah, j'ai pas le temps de prendre la hache, dommage. Tac, 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 il y a un mec juste là-haut dans la petite maison.
On va essayer de le tuer directement, comme ça au moins c'est fait. Et on aura plus à le battre à la fin dans l'arène. Hop. Et en plus ça, il a l'air un peu fort. Oh les gars, en plus ça, les gars, il y a une vache, parfait. Il y a une grosse vache en plus, parfait. Oula, 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 wesh. Wesh, wesh, wesh. Ok, j'ai eu peur. Ok, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Ça va. Ça va, ça va, les gars, on prend directement la vache. Voilà. Ah, j'aime bien, les gars, quand ça va vite comme ça, là. J'aime bien quand ça va vite. J'aime bien. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Ok, parfait. On va là. Nickel. Tac. Les cookies, ça va là. Les tricks, ça va là. Tac, tac. Ça, on n'en veut pas. Les cookies, on en veut. L'arc, on l'a déjà. Pas besoin. Et les boules de neige, on les met là. Parfait, les gars. On est bon, là. On est très, très bon. On va casser le feu pour faire une explosion. Pam, ouais, les explosions. Magnifique. Ok, on prend ce cas-là. Quant à moi, j'ai déjà. Alors, moi, il me faudrait peut-être des jambières aussi. J'espère que vous êtes motivés. Ok, il y a 3 personnes près de moi. Il y a 3 personnes près de moi. Ça va être super chaud. Donc là, il y a un premier kill déjà à se faire juste là. On va essayer, les gars, de se faire un maximum de kills. Hein. Vraiment, c'est l'objectif. Alors, attendez, on va juste prendre ses jambières à lui. Parce que j'en ai pas. Ok, il n'y avait pas de jambières. Ça marche, pas grave. On va aller se faire le mec qui est là-haut. Tac, 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 tac. Voilà. On va se faire un petit troisième kill, les amis. Et il me semble que j'ai vu un autre mec qui était un peu plus loin. On va aller voir si on peut le trouver. On va juste prendre le stuff qu'il y a là. Tac, tac, voilà. On va juste prendre le stuff qu'il y avait dans son truc. Et alors, voyons voir, est-ce qu'il n'y avait pas un mec juste là? J'avais cru voir un nom, hein. Si je me trompe pas, il y avait un nom juste là. Alors, attendez, il a dû se casser, le gars. Mais, où, par contre, je sais pas. Il était pas dans la grotte, là-dedans, là? Il y a pas un mec là-dedans dans la grotte, tout au fond ou en bas, je sais pas. C'est vrai qu'en bas j'ai pas trop regardé, voyons voir, là il y a un coffre, non ça a déjà été pris. Je sais pas du tout, il y avait un troisième pseudo mais je sais pas du tout où est-ce que le mec est passé. Donc je pense qu'il a dû peut-être se rebarrer au middle ou alors plus vers la gauche là-bas, on va aller voir. Il reste encore 5 joueurs en vie, donc encore un joueur qui meurt et on passe au deathmatch. On va regarder ça, ok il est là, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, il était parti sur la gauche. Ok il a une épée en diamant, il a une épée en diamant mais moi aussi. Alors par contre moi j'ai toujours pas de jambière, hein. Alors est-ce que c'est bien d'aller le fight ou pas le mec, je sais pas. On va le suivre quand même les gars dans le doute. Si on peut un petit peu le prendre par surprise, ce serait bien. On pourrait avoir des bottes en diamant et on pourrait surtout l'éliminer. Hein, parce que lui, il a l'air quand même assez fort. Il bouge plus, les gars. Parfait, il bouge plus. Oh, what? Mais il a fait quoi? C'était quoi, les gars? What? Ok, il cheat. Très bien, il cheat. Ok, ça marche. Ok, on tombe sur un cheater. Ah oui, d'accord, ça, c'est un beau cheater, ça. Oh, oui, d'accord, ça, c'est un beau cheater, ça. Oh, la vache! Mais pourquoi tu cheats, gros? Pourquoi tu cheats? C'est pas le cheater ça justement? Ah bah si justement, regardez, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez, voyons voir. Ah oui, non mais mec. Oh non, 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 mais mec, il cheat, c'est obligé. Vous avez vu les gars, qu'est-ce qu'il fait? En fait, je pense qu'il a un truc pour pouvoir taper plus loin. C'est pas possible les gars de taper comme ça, ça existe pas. C'est un cheater les gars, je pense que c'est sûr les gars. Ah oui, il va super vite et tout. Ouais, c'est bon les gars, c'est bon. Ok les gens, c'est parti. Dernière partie et après, on s'arrêtera ici. On espère ne pas tomber sur un cheater. Oh, botte en diamant, oui. Viens là mon grand, viens là. Voilà, ça décède. Et le petit Jean-Kevin, il est où? Non, tu vas pas t'en tirer comme ça mon petit pote là. Tu vas pas du tout t'en tirer comme ça. Allez hop, on décède un maximum. Voilà, parfait, nickel les gars. Là on est bon franchement, on commence vraiment à être bien niveau stuff. On a 4 kills pour l'instant. Il reste plus que 6 joueurs en vie. Ça veut dire que si on gagne la partie, on aura fait 5 kills. Et franchement les gars, 5 kills c'est vraiment respectable. C'est super sympa comme score. Donc on va garder ça, voilà. Ça j'ai déjà. On va garder les bottes en diamant pour que personne d'autre puisse les prendre. Comme bah, celles que j'ai déjà dans mon inventaire. Voilà, parfait. Et on va essayer comme d'habitude de trouver un petit kill à faire. Là clairement prendre les coffres ça sert plus à rien, hein, parce que j'ai assez de stuff. Bon, peut-être juste pour avoir un peu de bouffe ou un peu de flèche, mais sinon ça sert vraiment à rien. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Encore des bottes en diamant, bah oui, bah allez-y, donnez-moi-en encore, je dirais rien. C'est n'importe quoi les gars, j'ai 4 bottes en diamant dans mon inventaire. 4 bottes en diamant. Attendez, on va prendre la vache d'abord, hop. Tac, 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 tac. Voilà, oh mais mec, mais j'ai combien de bottes en diamant les gars dans mon inventaire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 bottes en diamant dans mon inventaire. Mais qu'est-ce que c'est les gars que ce beans? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bottes en diamant. Les gars, je prends un extrait, c'est magnifique ça. Je prends un extrait sur la Xbox, c'est n'importe quoi. Je viens de me taper 7 bottes en diamant. C'est une première, les gars, vraiment. Hein. C'est une première. Ok, il y a déjà un mec dessus. C'est pas grave, on va le tuer rapido presto. Tac. Coucou mec, comment ça va? Bah alors, on prend les petits colis? On prend les petits colis sans attendre papa? Bah attends, eh oh. Ça va là, je veux bien que tu prennes des colis, mais tu m'attends quoi au moins. Sérieusement, attendez, on va essayer quand même les gars de le tuer, ce serait cool, histoire d'avoir du stuff. Ou au moins en tout cas le kill quoi. Si on pourrait avoir le kill, ce serait génial vraiment. Ah, il fait quoi? Il va à droite. Ah, il y a un autre mec à côté les gars, il y a un autre mec à côté. Tac, tu meurs, nickel. Les pommes d'or, c'est pour moi directement. L'arc aussi. On va se prendre directement une pomme d'or. Et on va aller directement les gars se faire le mec.
Let's go. Hop, on esquive ces flèches. Et là, avec la pomme d'or, normalement, les gars, c'est gagné. C'est cadeau. C'est dans la poche, comme on dit, dans la boîte. Allez. Oh, c'est un joli combat, ça. Franchement, les gars, GG à lui. Artifloss. Oh là là, les gars, mais oh, j'ai combien de bottes en diamant? C'est une vraie question, les amis, que je vous pose. Combien j'ai de bottes en diamant? C'est scandaleux. J'en ai combien? Mais mec, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai. Mais c'est. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 bottes en diamant. J'ai 10 bottes en diamant dans mon inventaire, les amis. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens d'avoir 10 bottes en diamant dans son inventaire. Je reprends un extrait pour le coup. Je reprends un extrait directement, ça va bien marcher, voilà. C'est n'importe quoi, j'ai 10 bottes en diamant dans mon inventaire, ok. Bah écoutez, je sais pas comment expliquer ça, mais ok, pourquoi pas. Bon, allez les amis, on y va, let's go. On va essayer de profiter encore qu'on ait la pomme en diamant pour pouvoir se faire des kills. Ok, il y a un mec qui bouge pas. Ou un mec qui bug, je sais pas. Non, ok, il bouge pas, il bug, je sais pas. C'est les deux en même temps, on va se faire les gars les deux en même temps justement. Vu qu'on parle de ça, hop, c'est parti. On va se faire le premier kill qui passe. Incroyable. Et le deuxième kill à la flèche. Peut-être ça lag. Ça lag pour le jeune homme. Oh là là, il n'arrive pas à mourir lui. Hein. Lui, il n'arrive pas à mourir. Hein. Hop, allez hop, tu meurs. Ok, il a 3,5 heures, ça va. Ça va les amis. Et voilà, deuxième victoire. 8 kills cette fois-ci. Je suis trop content, on a géré de ouf les gars, cette vidéo c'était vraiment trop bien. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à partager et à commenter. Moi je vais aller faire le montage de cette vidéo pour qu'elle sorte, bah attends tout simplement. Donc voilà, j'espère les amis que ça vous aura plu, pouce bleu, partage, commentaire. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains Hunger Games, ciao ciao.